Bonjour la Guilde des Link, je m'appelle Athéna et je suis la fondatrice de la Guilde des Link. Hein ? Quoi ? Tu vas me dire que c'est une fille qui a fondé la Guilde des Link ? Mais c'est la meilleure ça ! Tiens, on dirait que Shina s'est déconnectée. C'est un peu normal, Shina a beaucoup de boulot en ce moment. Alors Athéna, si tu es vraiment la fondatrice de la Guilde des Link, prouve-le ! Link 64, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Je sais que le cracker et que la hackeuse rôdent dans les parages. C'est pour ça que j'ai demandé à Zelda et à trois lignes de m'accompagner. Car vous courez un grave danger, d'après les rêves prémonitoires de la princesse Zelda. Tu faisais partie de la guide du passé avant. Il y avait le maître du passé, la hackeuse et toi. Ah, je vois que tu t'es bien renseigné, Link 84. Mais comment tu sais ça? Ouais, c'est vrai, comment tu sais ça? Juste une impuissance, comme ça. Faut que je fasse attention, sinon je vais me faire repérer. Encore un peu, je dévoilais mon ancienne guilde. Qu'est-ce qu'il y a, Zelda? T'as une prémonition? Bon, venons-nous au fait. Parce que je vais pas passer la journée à parler. Ah, c'est toi, Curtix? C'est toi qui étais caché dans un buisson dans la saison 1? Moi aussi, j'étais caché. J'espionnais la hackeuse. Et je pense que tu ne t'es pas rendu compte. Mais t'as jeté un sort qui s'activa dès que tu rejoindras la Guilde des Link. La hackeuse savait déjà que Curtix allait rejoindre la Guilde des Link. Et c'est pour ça qu'il fait le guignol à chaque épisode. Eh, mais tout s'explique alors. Mais je le savais déjà, je suis très renseigné. Bon, assez parlé. Je suis sûr que le cracker est passé par là. Donc, Link rouge, Link vert et Link bleu, partez par ici pour recueillir des informations. Et rejoignez-nous à notre base de secrets. En attendant, nous allons nous téléporter à notre base. Mais, on dirait qu'on est... C'est pas possible, je rêve. Avancez au lieu de vous extasier là. On est bien dans le château de Zelda. Trop la classe, on veut classe. Ah, tu te trompes, Link 64. Nous sommes dans mon château, et non celui de Zelda. Ah ouais, c'est bizarre. Il ressemble beaucoup au château qu'on connaît tous. Non, c'est vrai. Eh bien, la raison, c'est que Zelda a pris sa retraite. Et c'est moi qui la remplace. Yata! Fini le scénario classique. Plus besoin de sauver la princesse Zelda. Faut fêter ça, Link 64. Champoumi! Oui, tu as raison, Link 84. Il faut fêter ça. Il faut. Allez, vivons à cette grande nouvelle. Mais ils ont pété un câble ou quoi, ma parole? Je vous demande de vous arrêter. Ah, mais t'inquiète, Cathy. Je vais les rafraîchir à ma façon. Bon, je vais me rassasier auprès de ces deux marchands. Tous ces événements m'ont donné la dalle. Hey, salut la guilde des Link. Vous êtes bien sur Splash Wave Radio. Je me présente, je m'appelle Golden Boy. Je vous vends des pépitos. Avec ça, vous prenez 150 XP et donc vous améliorez votre défense de 100 PV. Vous allez péter le feu of the dead. Et j'ai oublié de dire, c'est 150 rubis, hein. Bah quoi, c'est pas donné? Mais arrête de parler, tu vois bien que Curtix se bave. Bonjour, moi c'est Yotano, et moi je ne vends pas des pépitos. Mais moi c'est gratuit, donc je donne des granolas. Avec ça, vous prenez 200 XP d'intelligence et 70 PV de défense. Voyons voir, vous n'auriez pas dû utiliser le pour recharger mon cerveau? Nous ne vendons pas ce genre de marchandises. Désolé Curtix, on est en rupture de stock en ce moment, c'est la crise. Je pense que tu peux comprendre. Non. Les temps sont durs en ce moment sur Horizon et sur Hyrule.
Mais bon, pour moi ça sera les moins chers, ça sera les Pépitos de Golden Boy. Avec ça, je vais vous montrer ce que la guilde des marins est capable de faire. Link 64, préparant psychologiquement, je pense pour la suite qu'on va couler, on a touché le fond là. Si Curtix fait le guignol encore une fois, alors là, pas de pitié, je me transforme en Dark Link et je le dégomme. Ah, je vois que mes trois gardes du corps sont arrivés. Athéna sait parler Lilien ? Ben c'est normal, c'est la fondatrice de la guilde des Link. Donc tu peux nous traduire ce qu'ils t'ont dit là ? D'après Link Vert, la demeure de la queue se trouve dans la capitale. Puis d'après Link Rouge, il aurait beaucoup de monde dans cette demeure. Et il serait gardé par des détraqueurs. Et enfin, le dernier indice de Link Bleu, c'est un code de 10 chiffres. 1, 0, 0, 5, 1, 6, 2, 0, 1, 1. Link 64, on te laisse chercher. T'as toujours réponse à tout pour ce genre d'énigme. Oh non, hein, j'ai la flemme. Je donne ma langue au chat. Bon, moi je vais essayer, ça ne doit pas être si compliqué que ça quand même. Donc je roule dans 5 minutes, j'ai la date depuis tout à l'heure, donc à toutes. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais contacter ma guilde des agents secrets pour qu'ils décodent ces 10 chiffres. Mais qu'est-ce que mijote la hackeuse ? Nous allons savoir très vite. Mais j'espère qu'ils ont le bon décodeur. Snake, j'ai besoin de toi. Il faudrait que tu me décodes ce code à 10 chiffres. C'est très urgent. Donc voici le code. 1, 0, 0, 5, 1, 6, 2, 0, 1, 1. Donc j'attends les informations. Ok, ça marche. Merci encore. Oui les copains, je pense que j'ai décodé le code à 10 chiffres. Quoi ? Déjà ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un tas de possibilités. Allez, on t'écoute. Bah en gros, on est dans la merde. Je rigole, voilà ce que j'ai pensé. Enfin, ce qu'a pensé mon ancienne guilde. Donc voilà, si on coupe les chiffres en deux, ça nous donne 10, 0, 5, 16, 20, 11. Le téléphone pleure quand elle vient. Non, Curtix, ce n'est pas un numéro de téléphone. Tu es le maillon faible. Au revoir. Ben alors c'est quoi ? Je pige vraiment pas là. Je pense avoir trouvé, si on remplace les chiffres par les lettres, ça nous donnerait 10 égale J, 5 égale E et 16 égale P. C'est ce que je pense, mais pas pour les 4 derniers chiffres. Ça se passerait en 2011 ou à 20h11, mais où ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! Hé, mais qu'est-ce qui te prend Athéna ? T'es devenu dingo ou quoi ? Tu m'as pété 3 décibels au moins là. Ça y est, on a le successeur de Curtix. Athéna est devenue ma boule. Je suis désolé d'Arclou. Mais je pense avoir trouvé. Il va se passer quelque chose à la JPE à 20h11. La Japan Expo à 20h11 ? En plus, on est en 2011 et ça commence le 1er juillet, je crois. Mais que prépare la hackeuse à 20h11 ? On n'a pas de temps à perdre. On doit se rendre à la Japan Expo de Paris pour l'arrêter. Tout se passe comme prévu. C'est presque trop facile. C'est bientôt la fin de la guilde des Link, mais je vais devoir surveiller de très près la fondatrice. Vous vous demandez tous comment c'est possible. Eh oui, à la base, ce n'est pas mon premier personnage. Enfin, je vous dois des explications.
Donc, Magneto Serge. Et ouais, tout le monde croit que c'est mon premier perso. Et en fait, non. J'étais en mission pour ma guilde des agents secrets. Infiltrer la guilde Link et rapporter le plus d'infos. La suite, vous la connaissez. Pas l'interface, hein. Ça fait des progrès. Ils ont fait des progrès. Donc, je suis déjà venu. Puis j'ai invoqué un monstre pour qu'il fasse semblant de m'attaquer. C'est là que j'ai fait connaissance de Link Team 440 et de Next. Voilà, ce n'est pas mon premier personnage, comme le pensait tout le monde. Et donc, voilà, je vous ai tous berné. Mais ce n'est que le début parce que la suite vous réserve encore des surprises. Donc c'est pour ça, ne oubliez pas le prochain épisode de la Guide des Link, à savoir le final, deuxième partie, où ça va tout péter.